Ok, salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans le Kona. On est de nuit et on va prendre l'autoroute. Et oui, on va prendre l'autoroute et vous savez quoi, on va rouler à 130 km/h sur l'autoroute. C'est magnifique. Et oui, je n'ai pas l'habitude de vous montrer des vidéos où je roule à 130 sur l'autoroute. C'est vrai que c'est assez rare parce que moi-même je prends rarement l'autoroute en fait. Donc là j'étais à Caen voir un film. J'ai été voir Dr. Sleep avec Ewan McGregor, la suite de Shining. Eh bien, je vous la conseille. Mais ayez l'estomac bien accroché quand même, parce que c'est assez violent quand même, et assez hard. Bref, tout ça pour dire que je vois qu'il y a un panneau avec une voiture retournée sur le GPS, par contre. Est-ce qu'il y a eu un accident peut-être? Je ne sais pas. Bon, il y a trois gouttes hein, qui tombent, un peu de crachin, mais bon, ça ne veut pas nous empêcher de rouler à 130. Voilà, à un moment donné, c'est bon, on ne va pas tortiller du cul pour chier droit, comme on dit. Et on va rouler à 130, il y a trois gouttes qui tombent, hein, on va pas chipoter. Alors, j'attends que le pick-up aille à gauche. Je vais mettre à 0 quand je serai à 130 et on va accélérer déjà. Hop, c'est parti l'accélération. Allez, je mets à 0, c'est parti, on se cale à 130. Allez, let's go. Donc là, normalement, si je suis pas emmerdé par des camions ou quoi, on déroule pendant 24 km à 130 km/h. J'espère que ça va le faire, que je vais pas être embêté par des camions ou d'autres des camions qui passent des camions ou je ne sais quoi, ou des accidents ou... Bon, là, il est 20h30 donc normalement ça roule bien hein. Voilà, je vois qu'il y a des gyrophares là-bas, mais que se passe-t-il? Peut-être un accident terrible ou un mec qui est en panne. C'est très très dangereux là pour le coup, de nuit comme ça, oh là là. Bon, moi je suis calé à 130 régulateurs du coup. Et on va essayer de dérouler, hein. Ah putain, le régulateur qui freine tout seul, parce qu'il voit la voiture devant. Il faut se décaler tôt hein, avec cette voiture, sinon c'est très sécurisant au moins, mais bon. C'est un... Ah bah, vous voyez, il pleut même pas là, c'est bon. On peut rouler à 130. Alors, ambiance nuit, hein, évidemment, avec ma petite LED achetée sur AliExpress. Je change les couleurs, je vous avais déjà montré dans une précédente vidéo. Ouais, c'est dommage que le Kona il n'ait pas de LED d'ambiance pour le coup. Comme ont par exemple le Mercedes QC. Ça aurait été bien qu'il l'ait ça. Mais bon. C'est pas très grave, hein. J'ai acheté ça, je peux même changer les couleurs avec une télécommande. Ça a coûté 2 balles. Donc on va pas chipoter, hein, c'est bon. Donc voilà, on va se retrouver pendant environ une quinzaine de minutes. Ça va être la durée que je vais mettre pour parcourir les 23 ou 24 km que je vais faire à 130 km/h. Alors par contre oui, je vais mettre juste l'altitude, parce que ça va avoir tendance à monter en plus hein. Donc là on est à 96 mètres d'altitude. Bien pratique ce petit truc du GPS d'ailleurs. Dommage qu'on l'ait pas en temps réel en même temps que la carte du GPS. Mais bon. Donc là, attendez-vous à une conso assez élevée, hein, vu que ça monte et que je suis à 130. Si on tape les 25 kWh au 100 sur les 20 km, ça sera pas choquant. Hein. Et moi, il faudra que je prenne la sortie 42 du coup, en direction Vire, pour rentrer chez moi à Sourdeval. Bon, alors je vais me décaler maintenant, sinon la voiture va encore freiner toute seule. Il faut me mettre à 130. 2. Compteur. Les camions restent bien derrière les uns derrière les autres. Hein. Faites pas chier. Hein. Faut que je déroule là. Donc j'en profite pour faire ça parce que j'ai beaucoup d'autonomie. J'ai plus de 70% de batterie là, donc je me suis dit c'est le moment ou jamais. Allons-y, déroulons à 130 km/h. Évidemment, l'autonomie va fondre. Hein. D'ailleurs, on va essayer de voir combien de pourcents. Je suis à 70 à 7 km. On va voir combien je perds de pourcents là. Ça va être intéressant de voir. Je vais remettre la navigation avec le satellite. Ouais, on retient 7 km fait, 70% de batterie. Au moins, ça sera des conditions plutôt réalistes. Là, je suis à 125 mètres d'altitude, on a gagné 30 mètres depuis tout à l'heure.
Pour l'instant, 27 kWh au 100, ça consomme, hein. Ça consomme énormément. Bon, évidemment, j'ai pas une Tesla Model 3. C'est sûr que la Model 3 sur autoroute à 130, c'est celle qui consomme le moins, tout simplement. J'avoue. Faut avouer, hein. Après, voilà, le Kona n'est pas efficient à 130 km/h sur autoroute. Enfin, il est efficient par rapport à d'autres modèles. Mais, ah, je suis chier, lui. Il va me faire ralentir, là. Le Kona est efficient, mais jusqu'à un certain point, quoi. Sur autoroute à 130, c'est moins bien que la Model 3. Mais par contre, si tu pouvais te bouger, toi, allez, avance. Voilà. Oh non, il y a un camion qui double un autre camion. Mais ils peuvent pas s'en empêcher, bordel. C'est pas possible, hein. Ah, il y en double deux. Non. Ah, la lourdeur. Mais franchement, moi qui pensais être tranquille. Et non, il faut qu'il fasse chier. Je suis descendu à 115 à cause de ce débilos. Oh là 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 là, mais quelle burne. Désolé, hein, mais c'est si chiant là. Allez, 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 on accélère. Bon, en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est un peu réaliste aussi, parce que d'un côté, on n'est jamais vraiment tout le temps à 130 sur autoroute. C'est rare. Surtout sur les autoroutes gratuites comme ça, en fait. Où il y a plein de camions qui les prennent. C'est plutôt rare. Du coup, allez, on va faire une petite pointe là. Vous voyez la reprise quand même. Je suis déjà à 138, alors j'ai accéléré 3 secondes quoi. Donc, le Kona, même sur autoroute avec la reprise, il a une bonne reprise à 130 km/h. Pas de soucis. Là, j'étais en mode éco. Hein. Donc voilà, c'est cool. Alors, oui, je disais l'efficience du coup moyenne à 130. Par rapport à une Model 3 qui est une berline et qui est aérodynamique plus qu'un SUV, même s'il est petit, il est surélevé, donc forcément l'air s'engouffre en dessous et du coup ça consomme un peu plus. Mais bon, comme j'ai déjà dit, je prends rarement les autoroutes à 130 km/h, donc au pire je m'en fous un peu en fait. Ah, je vois qu'il pleut un petit peu là. Si ça pouvait ouais. Si ça pouvait pas trop pleuvoir non plus, ça m'arrangerait. Ah là là, fais chier. Fais chier. Bah, il freine déjà alors que le mec est loin, quoi. C'est très sécurisant, hein. Il avance pas, lui. Il est au moins, il est qu'à 110, 105. 163 mètres d'altitude, hein, vous voyez. Là, j'ai fait 14 km, je suis à 27 km au 100. Bon, là, c'est vraiment des conditions assez extrêmes parce que déjà, il fait froid, 10 degrés. Enfin, c'est pas le plus froid que j'ai pu avoir, hein, mais... Et en même temps, en plus, on monte, là. Je suis à 172 mètres d'altitude. Donc, ouais, vous voyez, c'est des conditions un peu hard, hein. Donc, c'est normal qu'on ait une grosse conso. Alors, j'imagine même pas avec un Audi e-tron, hein, ce que ce serait. Bon, je pense qu'on sera autour de 35-36, là, minimum. Alors, j'ai bouffé combien de batterie, là? J'ai fait 8 km, 3% 8 km. Ouf! Ça bouffe pas mal quand même, hein. C'est... Ouais, on est quand même sur... Heureusement que je fais pas ça tous les jours non plus, hein. Alors j'ai réglé mon siège assez bas, j'espère que vous voyez bien. Mais là on déroule, hein. Là on déroule, y a pas de souci. Je crois que c'est le trajet le plus rapide que je vais mesurer depuis que j'ai le Kona. Ça va être un trajet de 25 km, hein, mais bon, au final, ce sera le plus rapide, tout simplement. Je fallait que ça soit fait, donc j'en profite. Et on va se décaler dès maintenant, parce que le camion, il va nous empêcher, sinon... Oh putain, mais il est en plein phare, lui. Oh là là, le salaud. Qu'est-ce que ça lui donne d'être en plein phare? À part nous aveugler. Alors là, ça descend par contre. 197 mètres, bah, ça va équilibrer un petit peu, hein, du coup. On a fait que monter depuis tout à l'heure, on est monté. On a commencé, c'était à 95 mètres d'altitude, là on est à 191. Et là, ça redescend, donc ça équilibre un peu, c'est bien. On met mieux, c'est cool. mètres d'altitude, 183. Euh...
me reste. Ah, on est bientôt arrivé, il reste 6 km là. Enfin, à la route normale, hein, pas à Vire, hein, du coup. Je suis à la sortie, sortie 43, du coup. Et moi, faut que je prenne la sortie 42. Alors là, on va remonter un petit peu, je crois. Non, 179, ça reste stable là, on descend un petit peu. Bah, c'est bien que ça redescende, ça équilibre, hein, parce qu'on faisait que monter depuis tout à l'heure. Je reste à 132 régulateur. Hein. Là, il conduit tout seul, même la nuit, du coup. C'est plutôt cool. Alors, il y a une voiture, je vais me décaler dès maintenant. Sinon, il va ralentir. Je crois qu'on arrive bientôt à la sortie là. Ah ouais, ça descend, c'est cool. Ça va équilibrer mon trajet, du coup, 146 mètres. Elle est bien, cette autoroute, cette portion, parce que finalement, ça monte au début, mais ça redescend après. Donc c'est plutôt cool. Je sens la voiture qui veut freiner toute seule grâce à la descente. Donc ça, c'est plutôt bien. La chaussée est un peu humide, hein, quand même. Mais il pleut pas. Donc ça peut également jouer sur la conso, que la chaussée soit humide. Et la sortie 42 est dans 3 km, les amis. Donc on va bientôt se quitter. Oh non, un camion qui double encore. Mais c'est une blague. Ah non, mais ils sont relous, hein. Oh, la lourdeur. Ah, je suis obligé de couper aigu encore. À moins qu'il se décale maintenant. Ouais, c'est bon. Plus que 2000 mètres. Alors, on fait une petite pointe. J'espère qu'il n'y a pas de radar. 145. Alors, on se calme quand même, hein, parce que j'ai pas envie de me faire flasher, moi. Si vous regardez ça, messieurs les gendarmes, excusez-moi, je voulais faire une petite pointe. Ça peut arriver, je voulais tester ma voiture. Bon, si bon, vous n'allez pas m'arrêter pour ça quand même. Excusez-moi. Hein. 1000 mètres, donc on va se quitter bientôt, les amis. Et là, je suis à 146 mètres d'altitude, 147, ça remonte un peu du coup. On a eu un trajet qui aura tendance à monter. Donc voilà. Du coup, ça aura consommé beaucoup. Mais au final, allez, on va finir à 130 quand même. Allez, on va se quitter là, les amis. Un trajet de 11 minutes, du coup, une vidéo de 11 minutes. Voilà, je vous laisse. 24 km effectués, 25,5 kWh au 100 et 160 mètres d'altitude. Au niveau de la batterie, du coup, 63%. J'ai donc dépensé 7% en 17 km. Ah bah, ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup de dépenser. Sur ce, je vous laisse. Et n'hésitez pas à vous abonner, à réagir, à liker, à commenter. Ciao. Alors, petit bilan donc de ce trajet de 24,3 km avec un dénivelé donc qui avait tendance à monter. Hein, comme vous avez pu le voir, on est passé de 95 mètres d'altitude environ 160 mètres. Donc on a gagné près de 70 mètres d'altitude. Donc on ne peut pas dire que le relief nous a aidé là. Donc j'ai mis 11 minutes 30, 24,3 km. Ça fait une vitesse moyenne de 127 km/h. Bon, j'étais un petit peu ralenti 30 secondes par des camions qui se doublaient l'un et l'autre. J'aurais voulu éviter ça, mais bon, c'est les conditions, hein, qui ont voulu ça. Malheureusement, on peut rien faire. 25,5 kWh au 100, donc évidemment, ça peut paraître assez gros comme conso. Mais ne pas oublier qu'il faisait quand même que 10 degrés, que le relief avait tendance à monter, et que j'avais pas d'aspi du tout. Et donc, que c'est un SUV, donc globalement, il a moins d'aérodynamique qu'une Model 3. C'est normal, pas de quoi paniquer. Donc j'ai dépensé 7% entre le kilomètre 7 et le kilomètre 24, donc soit environ 4,5 kWh dépensés en 17 km à la vitesse de 130 km/h. Donc. Bah, écoutez, j'espère que ça vous a été utile, ce petit test. Comme ça, vous pourrez bien vous rendre compte de ce que peut faire cette voiture à 130 km/h non-stop. Bon, là, dans des conditions comme ça, donc ça ferait 25 x 250. Ouais, il peut faire 250 km comme ça, quoi. Avec des conditions comme ça, un relief qui tendance à monter un petit peu. Une température de 10 degrés, il peut faire les 250 km sûr, avec, du coup, des conditions similaires. Bah écoutez, j'espère que ça vous a été utile. En tout cas, n'hésitez pas à réagir. Ciao, ciao!